Sourire aux lèvres, mine plus que rassurante et un pas vif, signe de bonne santé. C'est du moins l'aspect physiquement remarquable et palpable que dégage le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargamboua, ce 16 janvier 2023, dans son domicile à Yaoundé. Il a été évacué, pour le rappeler, de toute urgence en novembre 2022 par décision du chef de l'État, Paul Biya, président de la République, pour des sérieux problèmes de santé. Après plus de 2 mois d'hospitalisation en Europe, le natif du Mfundi est accueilli en triomphe par les siens. Dans une foule immense évaluée à près de 2000 personnes, parmi lesquelles les 7 maires de Yaoundé, les parlementaires, les chefs traditionnels, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et élites du Mfundi, sans oublier les sauveteurs, sous la diligence de Monseigneur Bruno Ateba Edo, évêque de Maroua Mokolo, comme un seul homme, acclament tous à cœur joie le retour de l'un des leurs. Une grande et agréable surprise pour le concerné. Que quelques amis allaient m'attendre, mais je ne savais pas qu'une foule d'amis allait m'attendre. Une foule immense, marque de solidarité et de fraternité pour la seule gloire de Dieu, pour un cas bien que critique au départ. Ceux qui m'ont vu partir m'ont vu différent d'aujourd'hui et c'est grâce à Dieu. Et je suis revenu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Remerciements à l'Éternel, mais aussi au chef de l'État, Paul Biya. Et également remercier le président de la République. Amen. Qui a permis que tout cela se fasse en bon ordre. S'il ne l'avait pas permis, peut-être que je ne serais plus devant vous. Une occasion pour le miraculé de dire toute sa reconnaissance au ministre et frère, professeur Laurent Serge Tundingwa, en particulier, et à tous ses autres frères et sœurs du Mfundi en général. Vous me permettrez également de remercier ce monsieur qui m'a assisté de bout en bout dans des moments difficiles. Merci beaucoup. Je ne vais pas les citer nommément, mais ils sont là. C'est eux qui ont permis que ceci se passe. Augustin, le maire Tamba, le maire Yofi, le maire Augustin, le maire Afrika, le maire Lucas, et le maire ici. Vous voyez, tout le monde est là. C'est bien que nous donnons cette image d'unité, de fraternité. De quoi rendre grâce au Seigneur durant toute une nuit autour d'un plat pour célébrer la vie, la fraternité entre frères, fiers d'être de nouveau ensemble par la grâce de Dieu. Ceci pour une cérémonie d'accueil improvisée et réussie à 100% de Dieu.